Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui on poursuit notre let's play d'Elden Ring. Allez, on va essayer d'avancer un petit peu. Bon, j'espère que l'épisode sera un peu plus court que celui d'avant parce que je m'arrête jamais. J'ai du mal à m'arrêter. Allez, on va aller traquer encore des PNJ. Et puis j'espère pouvoir commencer à avoir accès au maître des lieux, au maître du château. Dieu serpent. On a ici une petite épée, quelque chose à récupérer, parce que ça c'est encore une zone que j'ai pas faite. Se mettre à trembler les coups, mais quel œil. Ah oui, d'accord. Ah oui, ok. Bon, et chaque début... C'est drôle, hein. Chaque début de let's play, je meurs. C'est un truc impressionnant. Bon, là, il doit y avoir encore un décor ancien, je suppose. Regardez s'il y avait un TP, mais il n'y en a pas en fait. Voilà, dans le noir, là, c'est que des squelettes pour l'instant. C'est récupéré. Ah là voilà. Ah bah oui, il y en a un. Alors, où est-il l'autre? On va se reposer. Je suis à combien, moi? Monter de niveau. Oh, moi, je peux. J'avais dit que je montais mon endurance. Dextérité, ésotérisme. Je peux encore monter, remarquer à 50. Histoire de faire correctement les choses. Et après, je monte tendu. Faire avant, d'ailleurs. C'est pas grave. On va essayer de s'en sortir. Le jeu est plus simple que des sous. C'est là-bas, hein. Ouais. C'est chiant, ça. Il est plus bas, alors me dites pas qu'il est plus bas, si. Le cochon. Il est plus bas. Alors on va descendre. Se battre, on va le laisser. Et on va
fuir. On vient juste pour tuer ce gars-là, c'est tout. Alors, signe des géants. Ouf. Oh, oh, oh oui, saignement. Joli, Ricard. Attends, j'arrive. J'aime bien ton armure. Attends, j'aime bien ton armure. Et je sais pas si t'es pas le personnage qu'on rencontre dans la... table ronde qu'une fille. Attends, je reviens. C'est n'importe quoi, mais là ça devrait aller mieux. Parce que j'avais perdu mes âmes, j'en ai même pas 1000, c'est nul. Alors commence, Ricard. Mais oui, je suis trop prêt. Il a une belle longe avec ses fouets. Hein. C'est pas mal fouet aussi. Hein. Je teste ça un jour. Puis alors là, ils sont bien rapides comparativement aux autres Souls. Bon, on recommence. Et là, je vais essayer de pas faire n'importe quoi cette fois-ci hein, quand même. Moi, je suis là, moi. Ah là là, je suis trop long. La première fois, j'ai pas eu le temps, c'est pour ça que je me suis précipité. Alors, qu'est-ce que tu me donnes rien? Oh, t'es su. Ah, le fouet floral des Oslo, le home, l'armure. C'est cool, par contre. Ok, le stuff des itinérants, bah disons, c'est bien. Bien le stuff, moi. Même si je porte toujours les mêmes trucs. Je regarde s'il n'y avait pas un petit point de TP ici, mais non, il n'y en a pas. Ok. On retourne dans le château.
va essayer de choper le stuff là. Je dois être trop... Ça va être trop lourd. 5,5. Je sais combien là, 3,8. Ouais. Dommage. Est-ce que c'est classe? Ça, je pourrais peut-être commencer à le changer, ce truc. Les attaques saucetées, vraiment je m'en sers jamais. Ouais, ça c'est pas mal, la vigueur aussi. Compte à des dégâts subis. Pour ces dextes, est-ce que ça augmente mes dégâts ça? Ah oui. Et puis bien en plus. Hein. Eh oui. Eh ouais. Là c'est cool. Là c'est très très cool. I see that you've stayed the path of champions. This is your usual reward. Please. Take it. Quelle armure. Le camé de Pilar. Perhaps you are ready. Might you see our lord? Our lord will no doubt welcome you. Another kindred spirit treading the path of champions. I see, but do know to follow the path of... in order to defy this do like a true. Je vais pas le faire tout de suite parce que j'ai pas envie d'y aller tout de suite. Je voudrais savoir ce qu'il faut faire si je continue ou pas ces attaques à lui. Parce que si je le fais, je suppose que quand je reviendrai ici là, je me ferai dépouiller. Oh, pas forcément, on va voir. On va juste regarder cette histoire de Pilar là. Il est où lui? Voilà. Restaure les points de vie dans chaque ennemi. Tu vois, d'accord, c'est pas mal, mais... on va aller voir... Seigneur. Now, I will transport you to the Lord's chamber. Ah oui, c'est un TP. Ah, c'est dommage parce que c'est super grand. Je croyais qu'il allait avoir un farewell, grand château. Then. Adieu. Ah oui, d'accord. Ah, je crois qu'elle s'est grossière poutrée. On a récupéré le toucher de grâce. Bon. Dans tous les cas, je pense qu'on va se faire poutrer. Je connais pas le boss, je sais pas ce qu'il faut faire. On va y aller quand même. De toute façon, on va y aller. Mes armes, ça sert pas à grand chose parce que je vais récupérer une arme devant tout de suite. Super cool. Traque vipère. Je peux prendre le traque vipère, c'est où? C'est où? Voilà.
On va se prendre un bon bout. On va se prendre un bouclier. Allez, c'est parti. T'es là, toi? Oh là là, qu'est-ce que c'est classe. D'accord. Ah ouais, mais ouais. Attrac vipère. T'as l'impression que... Qu'est-ce que je fais, moi? Est-ce qu'il faut que je reste avec mon bouclier ou pas? Ouais, hein, si, quand même. Je me souviens même plus comment on passe en demain. Ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais si, longtemps, c'était un truc comme ça, non? Défoncé. Toi, je te vire. Et voilà. Première connerie. Je fais les trucs à l'envers. Mais je fais n'importe quoi. Là, c'est le coup de la panique. Là. Je fais n'importe quoi. Putain, pourtant j'étais bien esquivé. On avait dit quoi? On laisse les gens. Il encaisse bien les flammes, mon bonhomme. Qu'est-ce qui va se pointer? Phase 2. Ah, phase 2. Phase 2. Eh oui, bien sûr. C'est cool. C'est génial. Quelle imagination dingue. Peut-être un peu trop.
c'est super cool. Non. Ça le prend pas mal, hein. Enfin, je vois pas, mais... Pourquoi je suis touché, là? C'est fun. J'ai une petite protection contre le calme, ça aurait pu être intéressant, non, je suis à bout. Ah, c'est bon, je suis. Ah bah là, mais c'était trop ça. Je sais pas si je peux pas le bloquer au sol quand il est frappé, quand il est mis KO, il doit pouvoir se passer quelque chose. Mais étant donné que je prends avec les flammes, je sais pas trop. Bon bah écoutez, je vais m'entraîner un petit peu de mon côté et puis je reviendrai avec une vidéo un peu mieux que ça. On a déjà vu le boss ensemble. Je voulais pas le battre, hein. J'aime bien l'armure que j'ai par contre. Qu'est-ce que je suis content, elle est très chouette. Allez, je vais donc vous laisser, vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne et agréable journée, une bonne soirée et une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.